Pas ça. Twitch.tv/. Ah, tu me tires les cheveux. Ah non, ça c'est pas. Ça... Ah JPEP. Non, ça ça fait pas partie du. Ah non, 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 et c'est pas ma crinière, hein. Déjà que t'as des étriers, faut pas. Faut... Non, tu vas me décoiffer. Déjà que c'est hasardeux. Ça te fait rire. On est en live. En IRL. Aïe. En URL. Non, ça c'est autre chose, ça. Sur Twitch. Ah, j'avance pas assez vite. D'accord. .tv/. Naomi. Avec. Il faut que je tag live stream. Light stream. C'est normal que je trouve pas. C'est go live stream. Oui, bah, impatient. Go live stream peut-être. Si je les tag pas bien, ils vont m'en vouloir. Je sais pas moi. On n'est pas bien préparé, t'as vu? On n'est pas préparé, on est. Tête, tête, tête. Ah, c'est parce que le chien nous a dépassé peut-être. Moi, je mets pas de photos, les gens auront qu'à venir. Allez hop. Voilà, adjugé vendu. Comme ça, je peux aller sur Twitch. Coucou Amta. Où je peux mettre le chat? Est-ce que vous voyez là, vous voyez la route? C'est pas mal aussi. Je tiens le. Je mets le chat ici, je pense. Voilà. Je pense que là, on tient un petit concept. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, cet enfant? Vous êtes mon rétroviseur. T'as passé. Ah bon, t'as rêvé de moi? Ouais, dis-moi en plus. Il m'a décoiffé là, il m'a tiré les cheveux avant qu'on commence. Alors, mesdames et messieurs, j'étais en train de faire la phase de préparation, mais c'est bel et bien les canons qui étaient là. J'ai marché un peu pour revenir à notre point de départ de la dernière fois. Si vous nous rejoignez pour ce tout premier live IRL GR34, sachez que déjà la bonne nouvelle, j'ai réussi à setup la deuxième configuration que la dernière fois. On n'était qu'avec une connexion, donc peut-être qu'on espère que la qualité sera du coup bien meilleure. Et du coup, ce matin, on est sur un. On n'est pas tout seul, on est sur un baby backpack Twitch. Voilà, donc la mission d'aujourd'hui, faire une petite portion du GR34. Je ne sais pas si on pourra faire une heure entière à l'aller, une heure entière au retour, parce qu'il faut considérer le paramètre bébé. Exactement, le baby backpack. Et il vous parle. Un setup de qualité supérieure. Du coup, nous sommes sur la commune de Primelin. Mais je pense qu'on est à la limite d'Esquibien en vrai. À voir. Et je viens de croiser un charmant jeune homme avec son chien. Voilà, voilà, qui m'a dit bonjour. Attendez, on le rattrape. La qualité est présente, let's go! Le baby pack essaye de. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? T'attends qu'Amtaro nous raconte son rêve? Bah oui, c'est évident. Mais par contre, j'ai presque l'impression que c'est plus léger que quand j'ai le backpack dans le sac à dos, ce qui est vraiment très très étrange, vous en conviendrez. Et bon, est-ce que j'ai bien dormi? J'ai été réveillée deux fois. Oh, t'as vu cette vague qui arrive? Elle est bizarre. Combien de kilos? Je sais pas. Moi, je sais que PPC fait 8,5 kilos déjà. En matos, je ne saurais trop dire. Il faudrait que je pèse. Salut Moon! Je pense qu'il y a bien. Je pense que j'ai bien 10 kilos sur le dos
et peut-être 2 kilos à l'avant. Ça ferait du petit 12 kilos. Non, j'ai pas été réveillée à 4 heures. J'ai été réveillée, bah bon, 22 heures, mais on peut pas dire que j'étais réveillée. Genre, on a fait le débrief post-donjon avec PPC. Après, c'était quelle heure? Il était. Ça, je lui demande, genre, il va me répondre. 2 heures du matin, je crois. Bonjour. Ah, ça y est, la bouillie de pixels un peu de temps en temps. Let's go, ça fait plaisir. Il est attentif aux cailloux. Je ne sais pas si vous voyez. Après, je pense que le setup peut être encore amélioré. Il faudrait que je vous mette un support quelque part. Coucou Cassiopée. Alors, évidemment, petit rappel hein, pour ceux qui découvrent aussi, on est vraiment. Comment dire? On peut pas être plus proche de la côte que ce qu'on est là. Ce serait difficile en vrai. Donc, forcément, nous passons parfois dans des zones de turbulence de 4G. Sachez que si la côte est vraiment exécrable, vous aurez un petit renard qui tourne, signe que je serai après prochainement de retour. Il y a juste pour la fin du live, j'ai pas pensé à mes identifiants pour déconnecter à distance. Du coup, je sais pas si je vais réussir vraiment à éteindre le live avant d'être chez moi. Mais bon, pour alors, je vous ai fini. C'est pas grave si le renard tourne. J'essaierai de faire ça dans la voiture, mais bon, PPC sera peut-être pas complaisant. Voilà. Probablement, bah, ouais. En vrai, oui, je pense. Host, même raid, carrément, sur la fin. Je sais pas si ça me maintient en ligne, si je coupe pas derrière, je sais pas. Ça manque d'un shipman pour porter PPC. Sachez que j'ai vu des chimanières. Des alpagas. Je vous ai pas mis la vidéo, j'ai mis la marche des oies et voilà. Un bac à marée. Ah oh. Donc ça, tout ça? Non, c'est les gens qui s'en servent comme poubelle. Non, ça revient avec l'eau, ça? C'est dégueulasse! Il y a des trucs de chaussures. Les gens ont perdu des chaussures dans l'eau. Je suis trop petite. On avance. Eh, ça monte ici! Ouais, attendez, j'ai filmé. Donc je pourrais te montrer sur Insta dans la journée. Je vous ferai une petite un petit partage d'alpaga. Surtout que j'avais un flow assez grotesque comme je l'ai mis. Là, j'ai un petit flow aussi, regarde. J'ai mis la. Ah pardon, j'avance plus. Putain, il me donne des coups de pied. Je vais le mettre à l'équitation, hein, c'est ça mon souplesse, cet enfant. J'ai mis mes chaussettes Twitch. Voilà. Ouh, ça monte là, bordel. Ouh. Let's go! Trop forte! Par contre, bah, comme d'hab, ça bouge pas. J'ai vraiment l'impression d'être Wonder Woman, quoi. Kadabi, Pendant les lives IRL, je compte sur vous pour faire les clips. S'il y a besoin, parce que là vraiment je peux pas. Regardez, on n'est pas bien là, il fait super beau. Hein? T'apprécies la balade? Moi j'ai un peu chaud, mais. Baby pack captivé par la mer, c'est cool. Non mais on s'en rend compte, regarde. On n'est pas bien là? Franchement. Bon là ça monte encore un peu. Qui un futur mari? Où t'as vu un futur mari que je... Moi j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un arbre peut-être. Non, c'est. Quelqu'un a dressé ici, on dresse pas que des menhirs apparemment. C'est un ancien poteau téléphonique. Ça m'étonnerait que ce soit venu jusqu'ici. Mais ça me paraît pas être un arbre hyper naturel non plus. Faut pas qu'on se trompe.
Le... Non, le GR, c'est là, regardez. Donc GR34, petit sentier des douaniers, pour ceux qui n'ont pas la ref. Oh. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, parce que là, il y a des murs, mais un peu de falaise. Ah, marin! Ça change tout ta phrase, là. Je pense qu'il faut monter, non? C'est quoi? Je vois pas de trace. Enfin, le jeu de piste ici pour savoir où on doit aller quand même. Je passe par le haut. Voilà, c'est décidé. Alors, les gens que j'ai croisés, j'ai pas croisé beaucoup de monde. Un beau mec avec un chien, ça j'ai repéré ça. Je pense que c'était par en bas en vrai. C'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome. Et sinon, des petits papis qui promènent leur chien. C'est la promenade des chiens du dimanche. Là, il y avait un banc et tout. On aurait été grave calés. Regardez un petit oiseau, on s'approche. Doucement. Ah bah, il est parti. Dommage. Et oui. Bah, les gens nous regardent un peu rigolo, genre ça sourit et tout. On va se dire, qu'est-ce que c'est que cette oiseau. Coucou, Primata. Coucou. Sympa ce remake de Death Stranding. Et je pense que t'as raison, Shiman, parce qu'il y avait un petit banc. Mais en vrai, c'est pas trop grave, je pense. Doucement! Regardez-le, là, qui donne des coups de talon. Tout à l'heure, il m'accrochait la petite crinière. Ah, il y a des bases pour l'équitation à venir. Hein. Le plus drôle, mais je sais... Enfin, du coup, vous l'avez pas vu, c'est quand je le mets sur mon dos. Tu sais, je sais pas si vous voyez comment font les chameaux et les dromadaires. Bah, c'est un peu ça. Alors, on passe à droite ou à gauche? Je vous laisse le choix. Je sais pas. Je vois pas de traces qui me laissent indiquer qu'il y a un chemin. À droite? Droite. Ouais, vous voyez un panneau danger, donc on y va quoi. Let's go. Ok. Je suis partie à droite. Enfin, on est parti à droite. Mais c'est vrai qu'on voit mieux l'eau. Je comprends. Je comprends. C'est, alors, je sais plus. Je crois que c'est notre huitième portion du GR34. Vous pouvez retrouver tout sur la chaîne de VOD. Mais je mets pas l'aller-retour. Je mets que l'aller. YouTube a le droit que à la version en avance. Parce que comme je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein, baby pack? Eh ben, il se passe que je garde la voiture à un point B, je marche jusqu'à mon point A, et après, il faut rentrer. Du coup, il faut que je... C'est comme si je faisais le GR34 deux fois. Voilà. À droite, c'est la fonte des crocos, et à gauche, un léopard breton. Je n'ai pas vu de léopard. Par contre, c'est clair que ce bout de bois de tout à l'heure, du coup, n'est clairement pas... naturel. Et il y a comme un mur qui s'effondre dans l'eau. Ouais, chelou. Hein. Le truc, c'est que si on est à ski bien, en vrai, on est bientôt par chez moi. On est bientôt sur Audierne. Merci Aphrodite pour le resub. GG à toi, level up niveau 7. Alors moi, j'ai pas le son des alertes, donc il faut que je fasse attention avant de voir. Mais j'aime bien parce que c'est pas souvent qu'il y a des sub resub pendant les lives IRL. Donc je suis très contente, écoute, de pouvoir y assister. Tandis que vous voyez ce très beau soleil breton. Est-ce que vous n'auriez pas l'habitude? Toujours soleil hein, quand je marche, t'as vu? Non, il y a eu quelques... Mais c'était pas de la pluie, c'était de la bruinasse. Par contre, ce matin, j'ai réussi à prendre une douche. Heureusement, mamie était là. Ma mamie, hein. Pas sa mamie. Mamie, 95 ans, sollicitée pour m'aider le temps de me laver, quoi. Et mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Hein. Donc, on a le cheveu hirsute. Puis, je me suis dit, c'est pas grave. C'est quoi, venons comme on est.
1498. C'est quoi un K5? Ah! Alors déjà, il y a deux choses. En gros, il y a les sub-goals cumulés sur l'année, et ça, c'est les mêmes que ceux que j'avais annoncés en début d'année. À savoir qu'à 1500 subs, c'est le catch avec TPK, qui ne sera pas forcément réalisé cette année, mais en tout cas, il sera réalisé à un moment. On a pour ce mois-ci exceptionnellement également le Subtember. Et donc là, le prochain palier, c'est un vlog update pour YouTube, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je dois également vous préparer le premier palier qui a été déverrouillé, à savoir le cosplay. Est-ce que c'est le chien? Non. Si. Non. 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 Ou alors il s'est trouvé une meuf depuis. Ça... Ah non, ne me tire pas les cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai pas regardé à quelle heure on était parti. Je sais pas depuis combien de temps on marche. Bonjour. Le chien, il a foncé sur nous, t'as vu? Tu regardes le bateau? T'en fous, le chien, finalement. C'est faire du catch ou le commenter? À la base, c'est le commenter. Mais après ce que j'ai vu avec Ponce et Rive, pourquoi pas faire évoluer le truc, tu vois? Bon, le problème, c'est que par ici, du catch, il n'y a pas de structure. Donc, ne croyez pas que Ponce et Rive, par exemple, se sont lancés dans le catch sans entraînement. Mais là où ils sont localisés, c'est peut-être plus facile d'accéder à des structures pour s'entraîner en amont. Donc moi, j'étais plus sur commenter. En fait, à la base, c'est ça. C'est commenter du catch, mais tu vois, des vrais catcheurs, quoi. Pas le jeu vidéo à la base, pas le WWE, mais bel et bien petite session de catch IRL avec des catcheurs pourquoi pas francophones, pourquoi pas qu'on connaît pas, qu'on découvrirait. Je suis assez fan de catch à titre personnel, de la, je te l'ai dit, de la WWE du coup. J'ai assisté à des shows et tout, et en fait je crois qu'intérieurement je rêve de crier par-dessus la troisième corde, voilà, comme ça. Voilà, ouais, comme ça. Ça serait bien, hein. Ah, moi, je pensais que t'en ferais, je suis déçue. Bah, mon idée, à la base, c'était d'amener un peu de catch. Mais du vrai catch, pas du jeu du catch. C'est quoi, ça? C'est un parapente, peut-être? Un planeur? Je sais pas comment ça s'appelle. Parce que, justement, il n'y en avait pas. Mais depuis, bah, il y en a maintenant. Nous avons des catcheurs professionnels chez l'élite du semi-français. PPC marche, ça y est, oui, c'est validé. Oui, tout à fait. Mais il ne marche pas suffisamment pour que là, je le laisse gambader en liberté. On n'en est pas là, quoi. Il n'en est pas à pouvoir suivre sa maman sur le GR34. Donc, je le porte. Ah ouais, vous préfériez me voir catcher moi? C'est plus complexe déjà, hein. Parce que vas-y, je me bats contre qui? Je m'entraîne où? Faut pas me casser parce que bah il a qu'une maman. Ouais, je vous ai partagé les petits pas de PPC en story, c'est vraiment kiki. Ouais, t'as vu, c'est beau, hein. L'eau, les vagues. Quelqu'un peut me dire quelle heure il est? Il est 10h. Oh, merci! Let's go! Père Coaster qui fait pleuvoir les subs! Merci beaucoup! Du coup, on a atteint le palier, j'imagine. Oh là là! Merci infiniment! 10h04. Ça fait combien de temps que je marche d'après vous? Depuis combien de temps je suis en live? Voici la question que j'aurais dû poser plus tôt. C'est un paraplaneur. Non. Ça te dit?
Je sais pas si ça existe ce mot. Depuis 20 minutes. Ok, donc ça fait 20 minutes qu'on marche. Très bien. Donc, il est 10h, ça fait 20 minutes. Donc, potentiellement, on continue à l'aller jusqu'à 10h40. De toute façon, ça m'arrange parce que pour l'instant, nous n'avons pas identifié de structure de type parking pour la future étape. Bah, du coup, on continue, quoi. Parce que si j'avance de point en point, il faut que j'ai des points où me garer entre les deux. Et là, alors là, il y a l'air d'avoir une route. Donc peut-être qu'en venant de là plus haut, il y a un parking. Mais rien ne le garantit. Donc on ne sait pas. C'est un paraplaneur. Chute. Pour le chute de parachute, j'imagine. Putain, on n'a pas revu le mec avec le chien, je marche pas assez vite. Terrible. C'est pas quoi, on fait monter des barres, c'est classique ici. J'entends un truc. Pourquoi j'entends un bruit de tondeuse dans l'eau? Qui tond la mer? C'est un bateau qui fait... Non. Ah non, c'est un hélicoptère! Il est là! Il vient d'où? De l'île de Sein, peut-être? Vous voyez le petit point noir? Il va nous passer au-dessus. Il arrive. Ah, c'est gentil, Amta. Vous le voyez pas, vous? Est-ce que vous l'entendez? Il est là. Là, là. Ça fait plutôt... En tout cas, c'est pas grave. Tondeuse de mer, bah du coup c'est la tondeuse de l'air en vrai. Ouais, on s'est trompé. Enfin, je me suis trompée. Ah, ça saute, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ouais, le renard il a fait une apparition ultra brève. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est là-bas? Attends, faut qu'on voit. À chaque pointe ici, on a des surprises. Hein. Et comme là, on est sur un bout de pointe. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Je sais pas si c'est un bâtiment avec un truc rond au-dessus ou si c'est deux choses différentes. Chouchou. Ouais, ça va? Ça va toujours derrière? Encore un chien, regarde. Trop bien. Bonjour, mon chien. Bonjour. Un chien? T'as vu le chien? Il y a plein de chiens. C'est le dimanche matin, jour de sortie des chiens. C'est sympa, hein? Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est au bout du monde, par contre. Bah, un peu quand même, hein? Je vois pas la tronche d'un parking. PPC, il a 18 mois. Et du coup, 18 mois d'âge civil et 16 mois d'âge corrigé.
au niveau du développement, quoi, on se base plutôt sur... Dada? Da. Dada? Dada. Quelle... C'est l'animation. On est monosyllabique ici. Mais... C'est trop drôle. Attends, je franchis des obstacles. Regardez. Dégaler. Mais le truc, c'est qu'il dit dada pour tout. Il dit dada pour le doudou, il dit dada pour le chat. Donc je ne peux pas croire que là, il soit dans le RP du « Je fais de l'équitation sur ma mère ». Mais c'est Mimi, il vous raconte ce qu'il voit. Il voit l'eau. Oui, c'est joli tout ça. Petite plage de galets et tout. C'est super. I'm bloody damn in a benign, I'm in a benign, I'm in a benign, I'm in a benign. Da 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 da. À toi. Da 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 da. Oui, la chanson. Ah, moi, j'ai oublié le refrain déjà de la chanson en allemand. Enfin, j'ai oublié l'air. Faudrait que le sac à dos que j'ai devant, je puisse le lacer dans mon dos. C'est bizarre dit comme ça, mais je me comprends moi. En plus, vous êtes. C'est un peu mal cadré, je veux pas dire, mais bon. Vraiment, la caméraman ici, fait nimp, quoi. Alors, encore un gros bâton là-bas. Qu'est-ce que ça peut vous... Ben oui, parce qu'il y a eu la sécheresse et le gel par-dessus. Fougère. Salut Dams. Tu es en 1080p quand tu te balades en IRL? Non, je pense pas, non. Surtout par ici. Les makers quad 9 quad. Les makers. J'ai pas la ref. Hop. Attendez, j'escalade ici. Après, je suis clairement plus lente hein, quand j'ai PPC sur le dos hein, et que je marche. Clairement, les heures de marche sont pas aussi rapides, quoi. Mais je fais de mon mieux. Hein. Là, franchement, j'essaye de nous mettre dans des conditions optimales pour réaliser, malgré tout, nos objectifs. J'aime bien quand je vous montre ma tête et qu'on est pixel. C'est drôle. Est-ce que t'as chaud toi? Parce que je trouve qu'il commence à se
pas d'internet ici. Ah, c'est terrible, hein. On avait une bonne connexion jusqu'à présent et boum, on n'a plus. Alors, paradoxalement, en fait, j'ai de la cause sur... Enfin, c'est bizarre. J'ai de la cause sur le backpack, mais j'ai pas sur mon téléphone. Du coup, je ne peux pas vous lire. En fait, c'est ça qui se passe. Sur le backpack, on a 9000. C'est génial. Que demande le peuple? Alors... Est-ce que tu veux faire une petite pause? Ici. Ah, le retour de la 4G en plus. C'est parfait du coup. Ta-da-da. Alors, on va poser le sac à dos. On n'est pas sur du plat. Youh ! C'est du plat pas très plat. Hein. Je te sers un petit peu. Et on va peut-être enlever le manteau. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça serait pas ses premiers pas sur le GR34 ? Alors, dididi, mon petit bonhomme. Tu marches avec maman sur le jour 34? Super. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Le chien, il s'appelle Pâte à Crêpes. C'est rigolo, ça. T'as l'air morve, hein. Attends. Maman va prendre le mouchoir. Caméraman, et quand vous êtes posé par terre, ça n'aime pas du tout, le backpack n'aime pas du tout être posé par terre. Faut que je mette le backpack à ta place. Ouais. Hop.
En plus, vous êtes pris la terre, désolé, vous avez chu. Fais pas tomber, hein. Vous avez vu le chien ou pas? Tu marches avec moi? Marche debout. Debout. Oui. La 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 la. La la la. Tu veux pas? Je vais vous reposer par terre. Vous allez, attention. On est vraiment dégueu. Voilà. C'est mieux? J'espère, hein. Voilà, on est reparti. Bon, qu'est-ce que j'ai raté que vous avez dit pendant qu'on n'était pas là? Bonjour. Ça va, j'ai rien trop raté. Vous avez vu la mise en marche du coup? La strat, c'est pour ça que j'ai mis des vêtements qui craignent pas, parce que bon. Ah, j'ai raté les 3 ans de Pantalémon. Merci, c'est vraiment gentil. Et alors, il a reçu mon colis? Oui, je sais qu'il a reçu mon colis, mais alors, c'est sympa le colis? Qu'est-ce que c'est que cette barre? Ah oui, il y a un drapeau breton là-bas. Faire patatute, hein. Là, ce sera difficile sinon. Qu'est-ce que ça peut être? Un petit parcours sportif. Eh, on peut pas venir se garer là? Ça fait très partie de ce qu'on est. Il y a une maison. Moi, je dis, il y a de la civilisation par là. S'il y a une maison, on doit pouvoir venir par ici.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, mais je vous jure, ça a l'air d'être... On se demandait le potal tout à l'heure, mais à mon avis, c'est des anciens trucs téléphoniques, hein. Oui, on l'a bien reçu. Le petit pull nounours. L'équipement que j'ai, pas trop lourd. Non, franchement, ça va quand même. Je vous disais que... Enfin, je pensais que ce serait pire. J'appréhendais un peu les portes bébés de randonnée, justement, parce que rien que le truc en lui-même, ça pèse. Mais en fait, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Four à goémon. Et ça, alors là... Qu'est-ce que ça pouvait être ici? C'est un meilleur, mais il est plus petit que moi. Il rétrécit. Il y a encore du goémon, même, comme si les gens faisaient des démonstrations. Le... L'ENAC. Le brûlage du goémon. Ah, peut-être qu'il y a des... Un filet. En tout cas, ouais, là il y a du goémon. Là ils ont écrit l'ENAC avec des galets, j'imagine. L-N-A-C-H, c'est tout à fait ça. Il y a un panneau, ils vont nous expliquer. Ah. Comment ça, le petit cours? Ah oui, peut-être. Effectivement.
Les fours à goémonier. Je suis sûre qu'il y a des démonstrations par là. Je vous ai retrouvé ou pas? Vous êtes de retour avec moi? Vous m'entendez peut-être? Je sais pas. Mets un petit renard dans le chat si tu me vois. Oui, on est de retour. Donc j'ai fait demi-tour parce que je pense qu'à partir de ce spot ici, il y a vraiment moyen de se garer dans le secteur, étant donné que ça a l'air d'être... Il y a des trucs en tout cas. Du coup, je pense que c'est un bon spot pour, entre guillemets, faire demi-tour et marcher. Donc je n'ai aucune... Faire le retour jusqu'à ma voiture. Je suis très décoiffée. Je n'ai aucune idée de combien de kilomètres je vais marcher, du coup. Pas beaucoup, parce que du coup, j'avance pas très vite, hein. Ils se disent. Tu peux charger la meuf. Mais très sympa ce petit coin. On aura fait du coup de la garnison avec les canons. Jusque là, les fours à goémon du coup. C'est plutôt cool. Et de toute façon, la suite, on fait en plusieurs étapes. Hein. C'est pas la fin de nos péripéties. Si j'ai bien calculé, je crois que c'est l'épisode 8 que je fais. Mais le 5e ou le 6e en lien avec les sub-goals. Je rappelle que tous les 100 subs, on a un fil rouge où je marche une heure sur le GR34. Bon, une heure pour l'un n'est pas une heure pour l'autre, hein. Mais mine de rien, je fais le retour aussi, donc vous avez deux heures de GR34, mais vous avez l'aller et vous avez le retour.